Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en. Vous êtes directeur du CFP de Dolbeau-Mistassini. Avant de parler du CFP, j'aimerais savoir c'est quoi votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à devenir directeur ici? Bien, moi, j'ai commencé comme technicien ici. C'est, okay. En fait, j'ai fait différents métiers, différents domaines. J'ai étudié un petit peu dans différents secteurs. Puis, à un moment donné, mon cheminement a fait que j'ai fait un DEP en soudage-montage. Puis, je suis allé travailler dans l'industrie pendant quelques années. À un moment donné, il a ouvert un poste de technicien ici en soudage-montage. Puis, j'ai appliqué, j'ai eu le poste. En ayant le poste de technicien, ça m'a fait découvrir le monde de l'enseignement. Puis, j'ai vu des possibilités aussi d'avancement éventuel. Donc, je me suis remis aux études. Je suis allé chercher les qualifications nécessaires pour l'enseignement. Puis, après ça, je suis devenu enseignant. Par la suite, j'ai fait le poste de conseiller pédagogique ici aussi au CFP. Puis, direction adjointe pendant 3 à 4 ans et maintenant direction. Donc, DEP a servi à m'amener jusqu'ici. Wow! C'est un beau parcours, un beau parcours. Parlons maintenant du CFP. Globalement, c'est quoi la mission du CFP, les objectifs que vous fixez en tant que… C'est certain que la mission, c'est de former, éduquer, encadrer les jeunes à devenir des citoyens responsables, professionnels, qui détiennent les compétences nécessaires aussi au marché du travail en fonction du programme qu'ils ont choisi. C'est ça. OK. Quand on parle de CFP, c'est donc de centre de formation professionnelle. Donc, vous donnez un métier, là. Exactement. C'est des formations DEP, AEP, formations généralement courtes qui varient de 630 heures à 1800 heures ou 900 heures. Tu sais, la moyenne ici, c'est 900 heures. On a quelques options où ça va jusqu'à 1800 heures. Donc, on parle d'environ un an et demi de formation à 4 mois. Ça peut être aussi court que 4 à 5 mois. OK. C'est intéressant. La réalité que vous avez, est-ce qu'elle est différente d'un autre établissement scolaire, par exemple, de la polyvalente? Bien, je pense que nous, ici, on vire à l'année. Il y a des entrées, des départs de formation à différents moments durant l'année. Donc, c'est pas seulement qu'au mois de septembre. Moi, je pense que comparativement à une école secondaire ou primaire, une des grosses différences qu'on a ici, c'est d'avoir… on n'a pas une photo qui est prise, exemple, ou une prise de présence en septembre, dit « Vous avez tant d'étudiants avec un budget X, puis on fonctionne avec ça toute l'année ». Nous, on a des départs de formation. On vient de démarrer 2 formations en janvier en abattage. On en démarre en aménagement. On démarre en avril. On démarre en mars, en mai, au mois d'août et au mois de septembre, octobre. Fait que vous voyez, c'est différent. Là, une fois qu'un groupe est formé, vous avez assez d'inscriptions, vous pouvez commencer un programme un peu n'importe quand. Là. Un peu n'importe quand, mais encore là, ben, il y a des petites nuances parce que… comme on discutait tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est que nous ici, là, on est dans la période où ce que je dois faire l'évaluation du nombre d'élèves potentiels que je vais avoir pour l'an prochain. Je parle à partir du 1er juillet 2016, aller au 30 juin 2017. Donc, dans un an, il faut essayer d'évaluer la clientèle que je vais avoir dans tous mes programmes et ainsi planifier les ressources nécessaires qu'on va avoir besoin. Quand je parle de ressources nécessaires, je parle ici des enseignants. Donc, un an à l'avance, en sachant pas si je vais avoir des élèves pour suivre les formations qu'on va offrir, faut que j'essaie de m'assurer d'avoir les ressources nécessaires, c'est-à-dire des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents, puis qui ont tout le bagage nécessaire pour dispenser une formation de qualité. Fait que c'est peut-être là aussi que ça nous distingue d'une école secondaire ou, ouais, effectivement, ou d'une école primaire, où, OK, le 30 septembre, on a tant de groupes, tant d'élèves, donc j'ai besoin de tant d'enseignants. Et c'est les ressources humaines de la commission scolaire qui dit OK, c'est une affectation, puis vous savez un peu comment ça fonctionne. Ouais. Mais ici, c'est différent.
Puis, est-ce qu'il y a des programmes que vous, où il y a des périodes de l'année que vous ne pouvez pas donner? Par exemple, est-ce que travaux sylvicoles, ça peut se donner l'hiver? Non, bien, effectivement, ben non. C'est ce qu'on essaie de faire, par contre, c'est, étant donné qu'on travaille beaucoup à favoriser le taux de placement de nos élèves, donc on favorise énormément le travail avec l'entreprise, des partenariats. Entre autres, comme aménagement ou travaux sylvicoles, on va commencer ça dans la période hivernale, vers la fin de l'hiver, pour s'assurer de dispenser la formation théorique nécessaire à la portion pratique qu'on va combiner avec souvent des travaux à réaliser sur le terrain. Okay. Parce qu'on fait même des formations, entre autres en travail sylvicole, où on est vraiment partenaire avec l'entreprise, puis les élèves en formation sont subventionnés. Donc, ça leur permet de se qualifier, entre guillemets, pour éventuellement avoir de l'assurance-emploi ou des choses comme ça. Pour l'entreprise, c'est extraordinaire aussi parce qu'il aide à la formation d'employés qui risquent peut-être d'engager. Potentiellement, vont avoir besoin puis vont peut-être engager. Fait que pour l'élève, c'est de la formation qui est vraiment concrète parce que c'est réellement ce qu'ils vont devoir faire dans le métier. L'entreprise permet de voir un bassin potentiel de travailleurs puis de les évaluer en même temps. Fait que je pense que la combinaison des deux est excellente. Hein? Wow. Est-ce-tu vrai de dire que le CFP, ça fonctionne un peu comme une mini-entreprise? Bien, je pense qu'à certains égards, oui. Le fait que je vous expliquais tout à l'heure que le nombre d'inscriptions, c'était pas canné d'avance. Donc, nous, on doit un peu vendre le produit. Donc, tout l'aspect promotion, recrutement de clientèle, c'est pas. Je pense que ça, c'est encore aussi une distinction. Donc, faut s'assurer d'avoir la clientèle, d'offrir. Nos programmes. Ensuite, on utilise divers équipements, c'est-à-dire, on a, par exemple, dans des programmes d'abattage, on a nos propres équipements, nos abatteuses, nos transporteurs, nos camions de service. On doit avoir des mécaniciens à l'intérieur de ça pour entretenir nos équipements. En voirie, c'est la même affaire. On fait des partenariats avec la MRC, avec des entreprises, des grandes entreprises du secteur pour, entre autres, en voirie forestière, aller fabriquer des chemins, construire des chemins en forêt. Abattre un arbre, je voudrais bien le faire ici, mais on a une forêt-école qui on est limité sur la capacité forestière, donc on doit faire des ententes avec des entreprises. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un peu comme on fonctionne beaucoup par appel d'offres, des ententes prises comme ça. Fait que ça s'apparente un peu, je pense, à une entreprise. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Bonjour, je suis avec Éric Servin, directeur adjoint au CFP. On va parler un peu du cheminement scolaire. Bonjour Éric, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. On va commencer, en fait. Je veux voir, là, tu sais, un élève qui vient au CFP, de son admission à sa graduation et même à son travail après. Comment vous percevez ça et comment vous les aidez à travers tout ça? OK. On va commencer par le placement, par le processus d'admission. OK. Moi, je suis un jeune ou un plus âgé, puis j'ai le goût de venir étudier au CFP. Qu'est-ce que je fais? Bon, bien, premièrement, il faut choisir le programme dans lequel on veut étudier. Souvent, les gens sont bien informés, ils font leurs devoirs, ils font leurs recherches, ils consultent nos sites. Pour trouver cette information-là, c'est ça, sur le site Internet? Sur Internet, il y a une foule de documents, des vidéos, de l'information, que ce soit sur l'inforoute, de la formation professionnelle et technique, que ce soit sur les sites comme Repères. Ça, d'habitude, il n'y a pas trop de difficultés par rapport à ça. Quand la personne a choisi son programme, fait son choix, bien là, va remplir une demande d'admission et va nous la faire parvenir. Alors, soit la personne vient ici nous remplir les documents sur place ou, de plus en plus, va remplir sa demande d'admission en ligne et par la suite, on va compléter le dossier parce que, bon, on va avoir besoin de relever de notes pour démontrer des conditions d'admission que la personne les possède. Souvent, certificat de naissance. Puis, des fois, il peut y avoir d'autres documents à fournir, selon le programme, exemple, en conduite de machinerie lourde ou en transport par camion, il faut démontrer qu'on a un permis de conduire, par exemple. Oui, d'accord. Puis, est-ce que, si quelqu'un, par exemple, n'a pas
tout ce que ça y prend? Est-ce que vous pouvez l'aider? Par exemple, moi, je sais pas, il me manque un cours je repense à mes études, il me manque les mathématiques fortes. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous les dirigez vers les adultes pour... Exactement. On va contacter la personne directement par téléphone. C'est souvent moi qui vais le faire ou ça peut être un autre membre du personnel, mais pour dire justement, bien, vous pourriez être admissible, mais il manque tel préalable, un cours de français ou un cours de maths. Ça peut être un test de développement général aussi qu'on peut faire justement à l'éducation des adultes, mais on réfère. Puis non seulement ça, mais on a aussi une conseillère en orientation qui fait l'équivalent d'un jour semaine pour nous et qui peut, de temps en temps, immédiatement les prendre en charge, ces gens-là, les contacter elle-même puis organiser des rendez-vous. Génial. Oui. Puis au niveau des cohortes, est-ce que c'est comme à l'école et puis tu peux rentrer juste en septembre pour ton année ou vous avez différentes cohortes qui partent au courant de l'année? On a des programmes qui démarrent presque à chaque mois. Ça dépend du programme, ça dépend de la saison. Puis du nombre de personnes qui veulent s'inscrire? Oui. Par contre, par exemple, on est allé en secrétariat de comptabilité ensemble la semaine dernière. Là, je ne sais pas exactement à quel moment on va présenter ça, mais bon, c'est pour dire qu'à toutes les deux ou trois semaines, il y a possibilité de commencer la formation s'il y a de la place dans la classe. Mais dans les cours comme plus foresterie, bien là, il faut respecter quand même les saisons. Il y a quand bien même on voudrait apprendre à conduire une niveleuse ou une chargeuse ou une pelle mécanique, bien, pendant la saison hivernale, c'est pas possible de le faire. Okay. Donc, c'est des cours qui démarrent plus au printemps puis qui s'étendent jusqu'à assez tard l'automne, le plus qu'on peut utiliser là, pendant cette période-là. OK. Et puis là, moi, je suis un étudiant, je me suis inscrit, j'ai passé à travers tout ça, j'ai été accepté. Et là, c'est ma première journée. Oui. Comment ça se passe? Comment vous accueillez les étudiants? Quand ils arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une heure de rendez-vous. On va spécifier l'endroit. On va les appeler pour leur dire exactement quel endroit se présenter. Et là, on va attendre un petit peu que les gens soient réunis. Puis on va les apporter dans une classe pour leur faire justement une présentation des différentes fonctionnements, des différents services. On va visiter les lieux. On va leur expliquer le code de vie parce qu'on a quand même des règles à suivre au niveau de la sécurité, au niveau que ce soit des interactions envers les uns envers les autres. Justement, on peut parler un petit peu d'intimidation, ces choses-là, comment on gère ces choses-là, etc., etc. Donc, on va prendre quand même le temps pendant l'avant-midi là, pour placer les gens, puis les sécuriser, puis répondre à toutes leurs questions. Puis évidemment, on va compléter aussi ce qu'on appelle, nous autres, l'inscription, qui va être la confirmation, dans le fond, que la personne entre dans sa formation. OK. Et puis, je sais que pour certains programmes, entre autres, travaux civicoles, vous avez beaucoup d'étudiants étrangers, des immigrants qui viennent. J'imagine que leur accueil est différent et très important parce que là, eux, en plus, c'est un changement culturel là, d'arriver à Dolbeau-Mistassini pour étudier. C'est un changement culturel. C'est plus complexe parce que là, on parle souvent de gens qui ont pas fait leur scolarité dans l'école du coin. Là. Ouais. Ils ont fait leur scolarité dans d'autres pays. Donc, il faut s'assurer justement qu'ils ont le droit d'étudier au Canada et qu'ils ont qu'ils répondent aux conditions d'admission. Ça demande, juste au niveau du traitement du dossier, c'est un peu plus complexe. Okay. Cependant, on commence à avoir de l'expérience parce que ça fait plusieurs années qu'on a ça. Puis effectivement, il faut leur parler justement de notre réalité, le climat, la façon de s'habiller. Parce que passer du Sénégal au nord du Québec, là, l'hiver n'est pas pareil. Tout à fait, tout à fait. Puis heureusement qu'avec un organisme comme Porte ouverte sur le lac, qui a longtemps justement accompagné ces gens-là, on a des bonnes complicités avec eux. Souvent, ils viennent rencontrer les gens pour leur indiquer à quel endroit on peut acheter tel type d'ingrédients ou tel type d'aliments pour cuisiner, etc. Donc, on a aussi la complicité d'organismes comme ça pour nous accompagner, pour nous aider. Ah oui, génial. Et puis, c'est quoi le plus grand choc qu'ils ont quand ils arrivent ici, les étudiants étrangers? Bien, je pense que ça va être unanime pour dire que c'est le froid. C'est le froid durant l'hiver? Oui, parce que même quand on dit que l'été, même l'été, quand nous on dit qu'il fait chaud, eux, ils ont quand même l'impression que c'est frais. Donc, et quand, à un moment donné, je me rappelle, en décembre dernier, j'avais deux... un jeune homme du Cameroun, puis un autre de la Côte d'Ivoire, puis ils avaient vraiment froid, puis je leur ai dit que l'hiver commençait à peine. Tu aurais dû voir les yeux là, avec lesquels ils m'ont regardé, là, je leur ai dit, écoutez, là, les gars, on n'est pas encore rendu au moins 40, là, puis avec le facteur vent, puis tout ce que vous surtout voulez. Surtout avec l'hiver qu'on a eu cette année. Oui, oui, oui. On leur a dit, par contre, qu'ils ont survécu à un des hivers les plus rigoureux là, des dernières années, mais pour eux, c'est le froid, là, c'est certain. Ouais. OK. Et puis là, les étudiants sont accueillis, on est durant l'année scolaire. J'imagine que vous avez parce que je sais qu'ici, c'est particulier, c'est pas, tu sais, à l'école, on est habitué, ça prend 60% pour passer, mais ici, c'est 80%. J'aimerais que tu m'expliques
pourquoi? Et deux, je me demande comment vous faites pour accompagner les étudiants pour qu'eux finissent par réussir leur cours aussi? Effectivement, parce que tu as tout à fait raison. Quand on passe, quand on est en formation professionnelle, c'est une formation qui mène au marché du travail. Ouais. Alors, automatiquement, quand on est dans ce pattern-là, quand on mène au marché du travail, bien, le seuil de réussite pour démontrer sa compétence est plus élevé. Donc, on va parler souvent de 80 %. Dans certains modules, même, ça peut être 85 %. Okay. Dans d'autres, ça peut être 75, mais ça ira jamais en bas de ça. Okay. Je dirais que la plupart du temps, c'est 80 pour réussir à démontrer sa compétence. Les examens sont extrêmement, je te dirais, objectifs. C'est-à-dire que quand on va démontrer sa compétence, bien, on peut... Est-ce que quelqu'un qui a 100 %, par exemple, dans un examen, a vraiment eu 100 %? Je dis souvent que c'est non. Okay. Parce qu'il va y avoir de la place pour des tolérances à certaines erreurs. Mais les tolérances peuvent être quand même faibles. 2 à 3 manquements. Si on se tient en bas de ça, on a tous les points du bloc, par exemple, qui peut être un bloc de 10 ou 15 points. Cependant, si on tombe dans les 4 et 5 manquements alors qu'on en tolérait 3, on perd tous les points. Peux-tu me donner un exemple concret, par exemple, là, en secrétariat par rapport au français? Bon, bien, en français, si on est en train d'apprendre justement à corriger une lettre, on appelle ça, bon, correction de texte en français, puis que, bon, il y a un bloc de points rattaché, mettons, au pluriel, les S. Bon, savoir utiliser les pluriels et tout ça, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe, là, mais je donne une figuration, là. Bien, si dans la lettre, on aurait volontairement mal accordé 5 mots, bien, on pourrait peut-être tolérer que la personne en trouve 4 sur 5. Donc, si la personne a trouvé 4 mots sur 5 mal accordés, bien, elle va avoir tous les points. OK. Sinon, elle perd tous les points. Elle perd tous les points. Donc, ça peut être assez tranchant. Donc, on ne donnera jamais la note à la personne qui va faire un examen. On va dire qu'elle a réussi ou qu'elle n'a pas réussi. Puis en même temps, c'est important parce que quand tu arrives sur le marché du travail, là, tu ne peux pas te permettre trop d'erreurs. Puis, ben, là, on parle secrétariat. On parle d'apprenti quand même, mais on doit quand même atteindre un bon seuil de performance avant justement de compléter son expérience sur le marché du travail. Et aussi, pour tous ceux qui travaillent avec la machinerie, il y a une question de sécurité aussi. Il faut que tu sois capable d'être certain que tu es 100% sécuritaire. Hein? C'est ça. Il y a des attentes de la part des employeurs. Oui. Les entreprises s'attendent à un certain niveau de performance minimal. Après ça, prendre en charge justement les gens puis compléter la formation en entreprise. Okay. Mais je te dirais justement que quand on réussit, c'est bien, une compétence. Si jamais on rate son coup, on a droit à une reprise. Okay. Et si en cas de reprise, dépendamment, je te dirais qu'on y va un petit peu au cas par cas, mais dépendamment de la situation, parfois on va recommander une dernière reprise. Sinon, ça peut être aussi la reprise du cours finalement. Au complet. On peut prévoir en tout ou en partie. Je te dirais que c'est évalué un petit peu au cas par cas. Un élève, dans les règles, c'est très, très, très normé au niveau du ministère, ne peut pas, cependant, dépasser 20 % de la durée de son programme en termes d'heures reprises comme ça. OK. Il y a des marges quand même à respecter, puis ça, c'est très, très bien normé. Et puis, vous, comment vous faites pour les accompagner, pour qu'ils réussissent? Vous les aidez avec des conseillers pédagogiques, avec des... Oui. Évidemment que ça prend la complicité des enseignants. Oui. Les enseignants nous en font part. Quand il y a des situations justement problématiques, ils ont constaté un échec ou deux échecs, bien, c'est ensemble, finalement, qu'on étudie la situation, qu'on se dresse des scénarios, puis très rapidement, parce qu'on s'adresse à des adultes, on va aller chercher l'élève pour regarder la situation avec l'élève pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'accompagner justement vers sa réussite. OK. Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que vous avez un gros taux d'échec, là, dans de cours ou en général, ça réussit pas mal? Là, je ne voudrais pas non plus te lancer n'importe quel chiffre en l'air, mais il me semble que bon an, mal an, on doit tourner quand même autour de 80 % de réussite, ce qui est quand même pas si mal. Mm-hmm. Puis, il y a possibilité, comme je te disais tantôt, des fois de revenir l'année suivante pour reprendre des cours manqués. Ben, je te donne un exemple. C'est pas toujours possible de donner un cours, de reprendre un examen raté. Exemple, je suis en voirie forestière. Mon dernier examen était fin octobre avant que la neige commence. Puis j'ai raté justement ma compétence là, sur les niveleuses. Bien, il va falloir peut-être que j'attende au printemps, quand la neige va avoir fondu, pour faire ma reprise. Tu sais, il y a des situations comme ça qui font qu'on revient là, l'année suivante. OK. Et puis là, mes études sont terminées et c'est la fin, j'ai mon diplôme. Faites-vous quelque chose, comment vous gérez ça, la fin de l'étude? Là? Y a-t-il une graduation? Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite toutes les personnes qui ont obtenu leur diplôme dans la dernière année civile. Okay. C'est-à-dire que cette année, on est en juin 2015, on va souligner, on va avoir invité 246 personnes qui ont obtenu leur diplôme durant la dernière année civile, c'est-à-dire entre le 1er janvier puis le 31 décembre. Okay. Donc, c'est quand même super le fun comme activité. C'est pour plusieurs, c'est un premier diplôme.
C'est quelque chose qui est une belle journée dans leur vie, puis on veut le souligner justement de belle façon. OK. Ouais. Wow, c'est une bonne idée, ça. Bon, puis après ça, on les lâche lousse dans le genre? Après ça, ils s'en vont effectivement sur le marché du travail. Souvent, okay. On les a accompagnés. Quand ils ont fait des stages ou quand ils ont eu la chance de faire des programmes en alternance travail-études puis qu'ils ont été deux, trois fois en stage durant leur formation, souvent, ça donne des bons résultats parce qu'il y a des entreprises qui ont appris à les connaître, qui ont vu un petit peu le potentiel de ces gens-là, qui ont vu s'ils cadraient dans l'entreprise, puis il y en a qui ont déjà des bonnes chances d'avoir un emploi avant la fin de leur programme. Okay. Wow. Sinon, ben oui, on les laisse aller, puis on les contacte de 6 à 8 mois, je te dirais, là, après leur formation, pour voir un petit peu est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils travaillent dans leur domaine, combien à peu près ils gagnent. Et nous, ça nous sert d'alimenter justement notre service de placement. Parce que vous avez un service de placement, vous voulez guider aussi oui. à travers l'après-CFP. Chaque élève qui fait son programme de formation va suivre une partie de sa formation qui s'appelle moyen de recherche d'emploi. Okay. Et à l'intérieur de moyen de recherche d'emploi, bien là, on s'inscrit concrètement sur le service de placement. Ça va nous servir justement à contacter la personne plus tard. Ça va nous servir aussi s'il y a des employeurs qui ont des besoins de main-d'œuvre dans le domaine d'un élève donné. Encore là, ça pourrait être de la conduite de machinerie lourde comme du secrétariat ou d'autres programmes. L'employeur, c'est tout à fait gratuit, place sa demande, son besoin, et tous nos élèves en lien avec ce programme-là reçoivent par courriel l'offre d'emploi puis peuvent postuler. Donc, c'est super intéressant pour eux. Oui. Puis pour nous, bien, ça nous sert de les contacter, d'avoir des statistiques le plus à jour possible, puis de connaître un peu les tendances. À quel endroit est-ce qu'ils se placent? Est-ce que c'est dans la région? Est-ce que c'est à l'extérieur de la région? Et quels sont les salaires? Ça aide aussi quelqu'un quand on dit qu'on fait la boucle à quelqu'un qui est en recherche de formation, bien, de consulter ça, puis peut-être de prendre une décision. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Au niveau de votre offre de services, donc on a parlé de plein de programmes, mais vous donnez aussi des formations en comptabilité. On a différents créneaux, entre autres la foresterie. On a 5 options là-dedans. On parle d'abattage, façonnage des bois, d'aménagement de la forêt, travail sylvicole. On a aussi au niveau de la transformation des bois, affûtage et sciage. Okay. Ça, c'est créneau foresterie, administration, commerce, informatique. On parle de secrétariat comptabilité. Donc, le DEP en secrétariat et le DEP en comptabilité. On a aussi adjointe administrative qui est une combinaison des deux. Okay. Ce qui permet, avec les équivalences du ministère, en fait, c'est lorsque les élèves sont inscrits à cette formation-là, c'est un petit peu moins long, de par certaines équivalences qu'ils peuvent y avoir. Puis, on parle de lancement d'une entreprise. Ensuite, on a le volet mine et travaux de chantier pour conduire de machinerie lourde en voirie forestière. Transport, on offre en partenariat avec la commission scolaire de Charlebourg, le fameux DEP, là, transport par camion. Oui. Avec d'autres commissions scolaires aussi avec qui on fait des affaires, qu'on s'échange des cartes, entre autres, commission scolaire de Lac-Saint-Jean, on donne des cours de santé préposés aux bénéficiaires. Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé et à la maison, aussi le cours d'infirmière auxiliaire. Je pense que ça fait pas mal là, le tour. Là. Je ne voudrais pas l'oublier, vite fait demain, mais ça... Ça en fait déjà pas mal. Oui, bien, j'en oublie un qui est quand même assez important. En métallurgie, on a le DEP en soudage-montage. Oui, c'est vrai. Je dis qu'il est assez important parce que pour côtoyer certaines entreprises qui ont des besoins, le nombre d'inscriptions n'est pas au rendez-vous. OK. Parce qu'il y aura plus les étudiants pourraient se placer facilement. Ouais, effectivement. On a une capacité de former, exemple, un groupe de 22, il n'est pas complet présentement. Puis on a des entreprises, pendant certaines périodes, qui sont en manque de main-d'œuvre incroyable dans le domaine. Ah, puis ils font des objets de qualité. Mon poêle extérieur, pour faire mon feu, il vient d'ici. Bien, ça, c'est une autre affaire aussi qu'on essaie de combiner. T'sais, question de rendre les formations plus attrayantes, puis plus concrètes, puis plus valorisantes aussi là, pour l'élève. Bien, c'est pas de fabriquer des objets que tu poignes puis tu jettes à la poubelle.
Il y a tout l'aspect économie, je ne vous le cacherai pas. Si lorsqu'on fait un foyer comme ça, exemple, bien, le coût de matériel, nous, on, l'élève peut l'acheter. Exemple, pour le coût du matériel, souvent, ça, ils servent d'abord, puis eux, leur vendent à de la famille, à de la parenté, avec un léger profit. Fait que, tu sais, on combine. Je pense que socialement, ça, ça aide les élèves aussi. On va chercher un léger revenu. Puis pour nous, ben, c'est qu'on gaspille pas le matériel. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016, au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, tout sur tout, qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVL DM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions tout ça, là! Hé, hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs, bonjour, Sergent! Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLD9, on est productifs. Là, c'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon vieux panache, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français.